Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un truc plutôt spécial. Je vais faire une vidéo 100% menottée. On va essayer de faire des trick shots, des trucs plutôt stylés pour mettre un peu ces menottes à rude épreuve. Et aussi moi, d'un autre côté, je vais m'empresser de mettre les petites menottes. Je les enlèverai à la fin de la vidéo. C'est bon, les menottes ont été mises. C'est en train de me scier les bras. J'ai mis un système de régulateur de vitesse pour que ça me fusille pas les avant-bras. Je pense qu'on peut commencer la vidéo. Learn to tingle. Le premier truc que je vais essayer, j'ai pris des yo-yo, des kendama et j'ai pris même un petit rolling pin. Et du coup, je vais essayer de faire quelques petits tricks avec ça. Ça sera la première partie. C'est quoi le rolling pin? C'est ça. Et pour les intimes, le rolling pin. Ça, c'est le rolling pin, c'est un peu une variante du kendama. Ouais. On va essayer de faire un beau petit enchaînement. C'est parti. Et là, je vais essayer de le mettre dans le trou. First try. Ouh, je vais tenter un truc. Attends, je vais réessayer l'enchaînement que j'ai fait, ok? Le petit rolling pin a été validé, on va passer au yo-yo. Mais c'est impossible! Parce que quand tu fais du yo-yo, il faut que t'aies les mains écartées. Ok. Mais c'est quoi ce beans? Ouh. Oh, t'as entendu le bruit? Ouais, le bruit, j'ai entendu. Regarde! Mais c'est impossible! Non, mais c'est pas possible, il est pété mon yo-yo ou quoi là? Bon, allez, dernier essai, sinon on change. Je vais essayer un truc sur le côté. Ouais, allez, moyen. C'est bon. Allez, c'est bon. Le yo-yo a été validé avec plutôt de charisme. Et je pense qu'on peut passer au gros kendama. Le temps, il est pas avec nous là. À chaque fois qu'on filme, il pleut ici. Après, c'est l'hiver aussi. Pour ça. On va passer au kaiju, c'est un kendama XXL. Y a moyen de faire un truc de ouf. Yes. Oh non. Par contre la balle elle fait la taille de ta tête quoi. Oui. Je le tente ou pas? Mais bien sûr. Là tu tombes là en plus, tu te rattrapes pas avec les mains là. Non. C'est parti. T'as vu ma main comme elle est à 90 degrés? C'est normal. Ouh, si je fais comme ça, je le lance, rotation et je le choque. Ouais, celui-là il est cool. Vous donner une ordre d'idée, le truc il pèse la moitié de mon poids. Et comme je fais 120 kg, vous faites le calcul. Ok, t'es prêt? Que des informations fausses. Donc, Oh, j'ai failli le mettre du premier coup. Ouf. C'est une boule de bowling en fait. Non. Tu vas réussir ou pas? Je sais pas. Mais j'ai les mains menottées. Bon, c'est le dernier essai de ce tricks. Si j'y arrive, regarde là, sans couper la vidéo, compte sur toi pour mettre le petit pouce bleu en bas de la vidéo. Franchement, c'est pas un grand effort et ça aide de fou la chaîne. Allez, regarde, je coupe pas. Allez. Te laisser 5 secondes. C'est bon, tu l'as mis? Merci beaucoup, ça m'aide de fou. Et au passage, si t'as mis l'abonnement, t'es vraiment un bon. C'est bon, les petits objets pour se mettre dans le bain étaient finis. On va passer. Qu'est-ce que c'est ça? C'est ma marque. On est bientôt à la fin des stocks. Il n'y en aura plus jamais de cela. Je vous laisse passer commande pour les intéresser. Une fois que le stock de ces ballons sera écoulé, je vais partir sur une gamme de t-shirts avec marqué l'authentique. Donc. Oh non. Lui aussi il veut son t-shirt je crois. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait d'avoir des t-shirts sur la boutique. On continue la vidéo. Ballon de basket l'authentique, panier de basket, menotté, lancé franc. Ok, premier essai, je peux même faire tourner le ballon sur le doigt. Non. Je pense que ça va pas être si compliqué. Deuxième essai, Stephen Curry. Non. Verrez tirer. Non. Je peux pas faire mon extension de Stephen Curry là. Oh, c'est pas possible. Michael, Stephen. Oh oui. Non. Oh, il est beau. Oh, il est beau. En plus, les ballons authentiques, dès que tu mets un panier, il vient tout seul. C'est vraiment un seul, je vous conseille de l'acheter. Et en plus, tu peux le mettre directement en arrière. Oh. Non. Ça aurait été trop beau. Le tir classique est rentré, je vais essayer en arrière. C'est juste du placement, ok. C'est là, et là, normalement, ça rentre.
Mais quoi, mais c'est une blague. T'as vu comment je dois faire pour me gratter la tête? Oh. Wow, let's go. J'ai envie d'essayer de dunker, mais on va baisser le panier par contre. Non. Mais regarde la hauteur. Sinon c'est pas un dunk, sinon je vais juste le poser quoi. Test du dunk menotté, c'est parti. Premier coup. Attends, je vais le monter un peu. Là, je vais monter à 2m75. J'ai la chance d'avoir un terrain de pétanque à la maison. Du coup, je vais essayer de faire un beau carreau fou, fou, avec des menottes. J'ai récupéré la boule, je vais la poser ici. Regarde mon pied. C'était une vanne. Allez, maintenant, on va essayer de la dégommer. Je me mets dans le cercle, rentre dans le cercle. Fianso. Un petit rap. Non. Non, non, pas de rap. Ok, je suis menotté, je vais jouer à la pétanque. T'es prêt? Premier tir. Du coup, je suis obligé de faire comme ça pour tirer. Deuxième essai. Mais déjà sans menottes, j'y arrive pas alors. Oh! Non! Pas un carreau. C'est pas un carreau! Pas facile hein. Oh, pas loin. Oh! Non, mais c'est possible. Oui! Oh! Oh oui! Qu'est-ce que t'en penses? Bon, bah ouais. Elle part un peu loin, mais. Deux fois d'affilée, mais validé non? C'est bon, je l'ai touché deux fois. Ouais, c'était pas forcément un carreau, mais I am emprisonné là depuis tout à l'heure quand même. Hein. On passe maintenant au frisbee, le petit panier, menotté, frisbee dans le panier. C'est parti! Je sais pas si je tire plus comme ça, plus à la hawaïenne, plus à la mexicaine. Thaïlandaise. Thaïlandaise? Oh! Je vais tenter le lifter. Non, ça marche pas comme ça? Non, c'est le revers ça. Oh! Tu vois, c'est la bonne! Oh, elle est belle. Oh, pas loin du tout. Non. Oh, comment il était. C'est magnifique. De fou celui-là. Je suis trop content. Ok, prochain. Je vais poser la bouteille sur la petite table avec le frisbee. Tchou, je vais le lancer et dégommer la bouteille. Let's go. Pose là. C'est assez loin là. La bouteille est positionnée. Tchou, petit coup, ça dégomme. C'est parti. T'as vu où elle a tapé? Ouais, ouais. Ce coup comme ça, là, il m'a l'air plutôt adéquat. Pourquoi quand je dis toujours les trucs sont bien, ça se passe jamais? Non, mais c'est adéquat, t'inquiète. Il est passé à ça. Oh non! Oh, il est beau, il est beau. Oh, il était magnifique. Yes, yes, yes. Battle flip ou pas battle flip? Ça s'est enlevé tout seul les gars. Donc je peux enfin les enlever. Je vous avoue ça m'a tué et... Oh la délibération. Il y a une sale marque hein. Marque l'authentique? Non, made in China. Une bonne marque ça. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donnez-moi d'autres idées en commentaire où ça pourrait mettre à rude épreuve l'histoire des menottes. Trouvez ça une bonne idée. N'hésitez pas comme j'ai dit au début de vidéo, les petits pouces bleus, ça encourage de fou. Là je vois qu'il y a pas mal de gens qui en mettent. Ça me régale et je vois que la chaîne est en train d'augmenter petit à petit. N'hésitez pas aussi l'abonnement. Il y a plein de choses aussi. Les ballons l'authentique, les t-shirts, il y a plein de trucs que je vous ai demandé, mais bon, vous êtes la meilleure des communauté, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao les poulets! Là, t'y attendais pas. Ah non.